Ben, nous nous retrouvons à nouveau sur ce plateau de Dunk en Stock pour la Softcote à nouveau. Nous allons donc discuter avec Maître Dominique Descamps-Migny à propos de l'installation libérale et les dernières questions juridiques avant de signer. Comment on choisit sa société, comment on paye, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien. C'est des questions forcément qui intéressent les personnes qui s'installent ou qui veulent changer de régime en cours de route, qui veulent optimiser entre guillemets leur revenu, on peut le dire. Donc, ben Maître, bonjour. Bonjour, merci Luc. D'être là. Et donc, quelles seraient du coup, juste te parler, des sociétés pour les médecins, qu'est-ce qu'on fait? Des sociétés individuelles, des sociétés à plusieurs, qu'est-ce qui existe déjà? Alors, pour s'installer, il n'y a pas un seul modèle. Ça va dépendre de tout un tas de paramètres, mais on va avoir deux situations un petit peu différentes, soit l'exercice en cabinet individuel, en entreprise individuelle, soit l'exercice en société. Donc lorsque l'on est en entreprise individuelle, ça c'est la forme juridique, et on est sur un régime fiscal qui s'appelle le BNC, bénéfice non commercial. Lorsque l'on va être en société, les sociétés, en fait, dans le monde de la santé, il faut savoir que contrairement au droit des affaires classiques, au monde des affaires classiques, on va avoir besoin de respecter aussi la déontologie, les ordres professionnels avec une réglementation qui est très spécifique. Du coup, on ne peut pas choisir toutes les formes de société que l'on veut. Et la société d'exercice aujourd'hui, la plus prisée, en fait, en tout cas celle qui est la plus adaptée, on oublie la société civile professionnelle qui est un vieux modèle avec un régime BNC. On est plutôt sur une société d'exercice libéral, donc la SEL, qui va souvent en fait prendre la forme soit de ces LARL ou soit de ces LAS, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc il y a une grosse différence en fait aussi du traitement fiscal de la rémunération de l'activité que le professionnel de santé va pouvoir retirer de ça. Lorsque l'on va être en BNC, on va en fait avoir du chiffre d'affaires, on déduit des charges et à partir de là, il va rester un résultat. Ce résultat, on l'appelle le bénéfice non commercial. Mais on n'a aucune marge de manœuvre. On est forcément imposé sur ce résultat. Imaginons alors, pour... Et alors, dans quel cas? C'est quand on débute, c'est quand on commence, quand on ne gagne pas beaucoup, qu'on alors, pense qu'on est là-dedans? Voilà. Quand on démarre, qu'on a un chiffre d'affaires qui va augmenter progressivement, on est plutôt au démarrage en BNC parce que on voit un petit peu ce que ça va donner, quels sont les besoins que l'on a, quelles vont être les charges que l'on va payer, etc. Donc on démarre de cette façon-là. Et très souvent, au démarrage de son activité, on appréhende 100% des revenus que l'on gagne. Quand j'ai un résultat, donc pour, puisqu'on est à la Softcote et qu'on travaille là pour des chirurgiens orthopédistes, assez rapidement, ce sont des professionnels qui vont dégager des revenus assez conséquents. Et la question, c'est de se dire, est-ce que j'ai besoin, par exemple, de 200 000 euros par an pour vivre? Si la réponse est oui, je peux rester en BNC puisque je suis fiscalisée sur 100% du résultat. Oui. Si la réponse est non, il va falloir entrer dans un système un petit peu d'optimisation puisque ben, si je n'ai pas besoin de 200 000 euros, pourquoi je vais payer de l'URSSAF, de la CARMF, du SSI et des impôts sur le revenu sur 200 000 euros? C'est là où on commence en fait à imaginer un exercice sous forme de société pour que l'on puisse choisir sa rémunération, puisque c'est cette rémunération qui va être en fait taxée. C'est l'assiette de calcul de l'URSSAF, de la CARMF, du SSI et de l'impôt sur le revenu. Donc on a une possibilité de choisir notre base d'imposition et les revenus en fait dont on a besoin. Mais alors dans les deux cas, même si je suis en société, je ne vais pas être salarié pour autant, je n'ai pas à me salarier. Avec non. Non. Alors ça c'est une erreur qui est très souvent commise. Ce n'est pas un statut de salarié. On appelle ça une rémunération de gérance. Pour le côté un peu technique, c'est l'article 62 du Code général des impôts. Mais ça donne quoi comme avantage? C'est que sur la feuille d'impôt, ça rentre dans une case qui s'appelle article 62 du CGI, qui donne droit à 10% d'abattement, comme les salariés. Donc c'est vrai que c'est un régime qui ressemble, mais ce n'est pas un régime salarié. En BNC, on n'a pas ces 10% d'abattement. Alors c'est plafonné à 12 000 et quelques euros. Hein. On ne peut pas, si on déclare 200 000 euros de rémunération, je ne déduis pas 20 000 euros. Je déduis 12 000 maximum. Mais ça reste déjà, hein, sur des tranches d'imposition qui peuvent être importantes, ça reste déjà une assiette de calcul de 12 000 euros de moins par an et quelques milliers d'euros d'économie.
Et donc voilà, donc le choix de se dire je reste en individuel ou je passe en société, c'est vraiment lié à se dire bon, quel est mon mode de vie, quels sont mes besoins, quelle est mon assiette fiscale en général, enfin, est-ce que j'ai 12 enfants ou est-ce que j'en ai un, et du coup, est-ce que je vais payer beaucoup d'impôts ou pas? Alors, le choix dépend de plein de critères. Où je m'installe, avec qui je m'installe. Si je suis dans une zone qui peut être un désert médical, ça peut correspondre aussi à des zones que l'on appelle les ZRR, les zones de revitalisation rurale. Si je sais que d'emblée au démarrage, je vais avoir un très gros chiffre d'affaires et que je ne veux pas subir en fait cette fiscalité très lourde dès le démarrage. Donc là, je vais plutôt faire le choix d'une installation d'emblée en Célarl. Si par contre j'ai un revenu progressif, que je suis en ZRR, je ne vais pas me mettre en Célarl. Je vais me mettre en BNC puisque je vais avoir l'économie d'impôt de l'exonération de la ZRR. Donc c'est vraiment en fait des choix sur mesure systématiquement par rapport à tout un tas de paramètres et on n'a pas un modèle. Alors c'est vrai que je travaille depuis 20 ans dans le milieu médical et souvent c'est mon copain, il a fait ça, je veux faire pareil. Ben, c'était peut-être adapté pour le copain, mais peut-être que la solution n'est pas adaptée pour ce professionnel-là. Donc c'est vraiment sur mesure. Et les différences de chiffre d'affaires, entre guillemets, enfin non, de montant d'impôt, ça se joue à combien? À beaucoup. Alors, le frottement fiscal et social, quand on est en BNC, en fonction du niveau de revenu, vous savez, il y a le barème progressif donc, pour l'impôt sur le revenu, c'est entre 60 et 70% de frottement fiscal et social en BNC. Donc quand je déclare 200 000 euros, ben, je n'ai pas 200 000 euros dans ma poche, il ne me reste pas beaucoup à la fin. Quand on est en fait en société, comme je choisis l'imposition sur laquelle je vais être imposé, je choisis l'assiette, je vais payer la CAMF, l'URSSAF et le SSI sur la rémunération que je choisis. Et je vais payer l'impôt sur le revenu sur la rémunération que je choisis. Donc ça va dépendre de ce niveau de rémunération. La question qui se pose souvent, c'est le passage en société ne se fait qu'à partir du moment où je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Si je dépense tout ce que je gagne en BNC et que je n'ai même pas assez, puisqu'on a certains professionnels parfois qui vivent un peu au-dessus de leurs moyens, eh bien je ne passe pas en société. L'avantage d'être en Célarl, c'est aussi d'avoir un différentiel entre ce que mon activité génère comme revenu et mes besoins. C'est là où on commence à optimiser. Et alors, si je me suis lancé je ne savais pas, je me suis mis en individuel parce que c'était le plus facile et que je n'ai pas demandé à personne de me conseiller et que du coup, j'ai un chiffre d'affaires de malade et qu'un coup, je suis accablé d'impôts, combien de temps ça me prend de changer? Comment je peux créer ma société? Est-ce que c'est possible d'abord? Est-ce qu'il faut repartir à zéro? Enfin... Alors, on ne repart pas à zéro en sachant que quand on passe d'un statut à l'autre, on attend toujours 2 ans. Donc, si je m'installe, en BNC, en entreprise individuelle, j'attends 2 ans avant de passer en société, parce que sinon on a un régime fiscal qui s'appelle les plus-values court terme, et on est complètement assassiné, c'est confiscatoire. Lorsque l'on décide en fait de s'installer en BNC, qu'on passe en Célarl, on a 2 manières de passer en société. Il faut savoir que la Célarl, c'est une autre personne juridique. Donc juridiquement, alors c'est fictif, hein, c'est moi et moi, mais c'est une personne juridique qui est différente de moi, personne physique. Donc je peux soit apporter mon fonds libéral. Quand je suis en BNC, j'ai créé un fonds libéral avec une patientèle, avec un bail, avec... Et je dois soit l'apporter, soit le vendre. Et ces dernières années, on est beaucoup plus enclin à la vente du fonds libéral, ce qu'on appelle la vente à soi-même, l'OBO, on buyout, la vente à moi-même. Pourquoi? Parce que ça fait un effet de levier patrimonial qui est très intéressant. J'ai créé une activité et je vais vendre mon activité à une société. Cette vente est fiscalisée uniquement, alors vous allez me dire c'est beaucoup, mais beaucoup moins que les 70% dont on a parlé tout à l'heure, à 30% de ma plus-value. Impôts et prélèvements sociaux compris. Donc je vais pouvoir, donc j'ai créé mon activité, j'ai 400 000 euros de chiffre d'affaires, 200 000 euros de résultats. C'est à peu près ça. Je vais faire une vente de mon fonds avec des méthodes de valorisation de ce fonds libéral entre 30 et 80% du chiffre d'affaires ou du résultat en fonction des spécialités, en fonction des zones d'activité, etc. Donc je vais dire, allez, je vends à 200 000 euros mon fonds libéral. Sur ces 200 000 euros, je ne vais payer que 30% de plus-value, la fameuse flat tax qui s'applique là. Je vais donc récupérer
140 000 euros net dans mon patrimoine de cette vente. Donc j'ai sorti 140 000 euros d'un coup dans mon patrimoine, de mon activité professionnelle avec uniquement 30% de fiscalité. Donc vous savez, bah, après sur le plan professionnel et patrimonial, je vais pouvoir faire travailler ces 140 000 euros différemment. Et donc j'ai fait cet effet de levier patrimonial. La société que j'ai créée va emprunter pour pouvoir en fait rembourser ces 140 000 euros, mais elle va emprunter ces 200 000 euros plutôt, mais elle va emprunter sur 7 ans. Donc en fait, j'ai transféré un emprunt professionnel et patrimonialement, je me suis enrichie en fait de 140 000 euros que j'ai dans mon patrimoine privé de suite. Bah donc ça vaut le coup de commencer tout seul quand même pour pouvoir faire ce levier, parce qu'on peut le faire qu'une fois ça. Majoritairement oui. Alors non, on peut le faire une deuxième fois avec les holdings, mais je vous en parlerai après. Majoritairement oui, sauf que si on s'installe dans une zone où on est très attendu, ce qui est le cas quand même de beaucoup de régions en France aujourd'hui dans les domaines de spécialité qui nous intéressent, et que d'emblée vous allez avoir un chiffre d'affaires et un résultat très important. Est-ce que vous avez envie dès la première année de payer des impôts et des charges sur 200 ou 300 000 euros d'emblée? Ça peut être important parce que pendant ces deux années-là, puisque je dois vraiment attendre deux ans, pendant ces deux années-là, je dois payer mes impôts et mes charges sur ces sommes qui sont importantes. Donc il peut y avoir une stratégie de se mettre en CELARL d'emblée en se disant, bon, l'effet de levier patrimonial, je ne le ferai pas, c'est pas grave. Par contre, je le ferai quand je vais créer ma holding. Je crée ma société. Et donc avec des parts de sociétés qui au démarrage valent pas grand-chose puisque je démarre une activité, j'attends au moins deux ans, toujours pour les mêmes raisons, j'attends au moins deux ans, et deux ans plus tard, ou un peu plus tard, puisque les holdings peuvent se créer plus tard, deux ans plus tard, je crée ma holding et je vais vendre mes titres à ma holding, qui auront une valorisation, puisque j'aurai fait Justement, on va revenir sur cette histoire de holding, justement, qui est donc, j'ai créé ma société, parce que du coup, je gagnais beaucoup de chiffre d'affaires, et que du coup, je me rendais compte qu'avec 10 000 euros par mois, j'étais bien, admettons, plutôt 20, allez, avec 20 000, je suis bien, et que le reste, je préfère que ça reste sur la société. Du coup, tout cet argent qui traite sur ma société, il faut en faire quelque chose, quoi. Et c'est là que je crée une holding pour pouvoir... parce que holding, ça fait un peu Coca-Cola, ou ça fait un peu Nestlé, quoi. Ça fait pas Docteur Truc. Alors, effectivement, il y a l'imaginaire collectif pense que les holdings, tout de suite, on parle de multinationales. Non, les holdings de professions de santé ne sont possibles que depuis 2012. Donc, c'est assez récent. Ça fait 10 ans qu'on a la possibilité de créer des holdings. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une holding? On a une définition très simple de la holding. C'est un peu classe d'avoir une holding à son choix. C'est ça. Moi, je trouve ça classe. Et mais puis moi, en plus, quand vous travaillez avec moi, je vous en crée deux, en fait, par structure médicale, avec des natures différentes. Donc, holding, c'est une société qui détient les titres d'une autre société. Donc, le fait de détenir les titres d'une société, ça donne droit à quoi? Ça donne droit aux dividendes de la société. Je détiens 3% des titres de chez Total, j'ai 3% des dividendes de Total. C'est plutôt pas mal. Je vais vous épouser, je crois. Voilà. Et donc, du coup, j'ai détient 100% des titres de ma CELARL, j'ai droit à 100% des dividendes de ma CELARL. Les dividendes, c'est le bénéfice moins l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est ce que je peux me distribuer, en plus de ce que je n'ai pas pris, ce que j'ai mis en réserve, etc. Donc, quand je vais créer ma holding va prendre les titres de ma société. Donc, moi, je vais lui vendre. Donc, c'est une autre personne juridique encore. Alors, moi, je détiens les titres de la holding qui détient les titres de ma CELARL. Alors, c'est moi, moi et moi, mais c'est trois personnes différentes et je ne suis pas schizophrène. Donc, du coup... Un petit début. Et donc, du coup, comment ça va se passer? Ma holding va récupérer les résultats de ma société. Si je sors les dividendes de ma CELARL, on a certains professionnels dans le monde des professions libérales qui avaient cherché à optimiser de façon un peu trop importante. Ils sortaient quasiment pas de rémunération, juste le minimum des moins de 10 000 euros par an pour valider les trimestres. Et ils sortaient tout en dividendes, parce que les dividendes sont moins fiscalisés que la rémunération. Donc, les organismes sociaux sont montés au créneau en disant « Hop, 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 on arrête tout ça, nous, vous êtes en train de nous gruger, c'est de l'abus de droit, etc. » Donc, c'était un peu le cas. Dans une société d'exercice libéral, lorsque l'on sort des dividendes qui sont supérieurs à 10% du montant du capital social, c'est soumis à la CARM, FADURSAF et au RSI, enfin au SSI aujourd'hui. Donc, par il faut contre, sortir progressivement tous les ans, quoi. Alors non, parce que quand on les sort de la holding, la flat tax s'applique et c'est 30% de PFU.
Donc, la holding permet de sortir des dividendes avec de la flat tax, mais c'est aussi, en fait, la possibilité d'investir sans sortir des dividendes, sans sortir l'argent dans la poche personnelle. Bien sûr. Et d'investir par le biais de ces holdings dans tout un tas de domaines en fonction de la nature de la holding que l'on va créer. Et alors, vous me parlez de ces sociétés, justement, de sociétés... Mais en fait, et si je fais une vraie société avec plusieurs personnes, si je m'associe parce que je ne veux pas être tout seul dans mon cabinet et qu'on est quatre, on fait une seule société pour quatre, on en fait quatre, on fait quoi ? Il y a plein de solutions possibles. Je peux, dans une CELAR, être une CELAS, être en individuel, donc c'est moi et moi. Souvent, je suis assez d'accord avec moi-même. Donc là, pour décider de la rémunération, etc., ça ne pose pas trop de problèmes. Je peux être à 2, à 3, à 10, dans la même société d'exercice avec des règles de définition. Alors, il faut sortir de l'idée reçue que comme je suis dans la même CELAR, tout le monde doit sortir la même rémunération. C'est faux. On a plein de systèmes aujourd'hui qui permettent d'individualiser en fait ces rémunérations, ces dividendes. En fait, il y a plein d'ingénierie autour de ça pour pouvoir le faire. On peut être dans la même structure d'exercice et individualiser les rémunérations et les dividendes de chacun. On sait très bien le faire. Mais je peux aussi dire, moi, je veux être seule chez moi. Et la seule possibilité et la seule envie d'association que j'ai, c'est du partage de moyens. Je veux partager la secrétaire, je veux partager les locaux, je veux partager le matériel, etc. Dans ce cas-là, on a des structures dédiées qui s'appellent les sociétés civiles de moyens, les SCM, qui permettent de faire tout ce partage de charges. La SCM n'est là que pour faire du partage de charges. Et les CELARL sont associés à la SCM, comme ça, chaque professionnel peut décider de faire une holding, de ne pas en faire, de sortir la rémunération qu'il veut, d'arbitrer de la façon dont il veut, etc. Donc ça c'est en fonction de ce que les associés veulent. Oui, donc on peut s'associer que pour le loyer ou l'achat de l'espace ou pour le matériel et le reste, chacun a sa vie et son argent. Exactement. Et comme ça, c'est des associations qui durent très longtemps. Alors, pour que les associations durent plus longtemps, très longtemps, que ce soit sur les CELAR ou sur les SCM, la qualité de rédaction, là vous allez dire je prêche pour ma paroisse, évidemment que oui, mais la qualité de rédaction des contrats est essentielle, puisqu'il faut en fait avoir prévu en amont, alors 100% de ce qui peut se passer, on ne peut pas le prévoir, mais l'expérience que l'on a aujourd'hui fait qu'on a prévu dans les contrats tous les embryons de conflits qu'il peut y avoir. On a prévu toutes les situations qui peuvent éventuellement être problématiques sur la répartition des charges, sur les entrées et les sorties, sur le fait d'indemniser les patientèles de celui qui part à la retraite. Aujourd'hui, on a sur le territoire national une problématique de démographie médicale. Donc les jeunes s'installent souvent dans des structures avec des pyramides des âges qui ne leur sont pas favorables. Si j'ai un jeune et trois personnes qui, dans les 5 ans, en fait, vont partir à la retraite, celui qui reste tout seul, est-ce qu'il va devoir payer les charges pour, de tout le groupe tout seul? Est-ce qu'il va devoir indemniser l'associé qui part de sa patientèle, de ce qu'il a mis dans le... Donc tout ça, en fait... Ça se prévoit au départ, quoi, et s'écrit... Alors, ça peut se prévoir aussi au fur et à mesure, parce que c'est évolutif. Et des contrats de société, puisque ça s'appelle des contrats de société, il faut absolument les faire évoluer. On récupère aujourd'hui des dossiers dans lequel les contrats n'ont pas bougé depuis 30 ans. Et ben, vous êtes tous sans ignorer que la société, elle a évolué. Elle, depuis 30 ans, les modes d'exercice professionnels ou les modes d'exercice en termes sociétal ont énormément évolué. Donc il faut faire évoluer ces contrats. Une fois qu'on les a écrits, ce n'est pas gravé dans le marbre. On peut les faire évoluer. Il faut changer les clauses. Parce que si on ne le fait pas, ça crée de l'incompréhension dans l'interprétation de ces textes. Et c'est là où on a après des conflits entre les associés. Ces dernières années, malheureusement, on en gère quand même de plus en plus des conflits entre associés. Quel va être le litige le plus commun, c'est-à-dire sur la répartition des charges. Voilà. Sur la problématique de la répartition des charges. Est-ce qu'on doit faire tout au fixe? Est-ce qu'on fait du fixe ou du variable? On en a certains, par exemple, qui sont en égalité des charges, mais qui, du coup, ont décidé de lever le pied et de plus travailler. Mais du coup, celui qui travaille beaucoup, il est avantagé par rapport à celui qui travaille plus beaucoup. Et il se dit, mais attends, moi, c'est pas normal. Ou alors, dans certaines surspécialités, et en orthopédie, on le voit, celui qui va faire du rachis, celui qui va faire de la main, celui qui va... Il y a des disparités de revenus à l'intérieur même d'une surspécialité. Donc, on peut avoir plusieurs chirurgiens associés au sein d'une même structure qui ne vont pas avoir les mêmes revenus. Alors,
Est-ce que du coup, ils veulent partager à égalité ou est-ce qu'on met une partie au pourcentage du chiffre d'affaires ? Enfin, il y a la notion quand même d'équité pour éviter de générer la frustration chez les associés. Parce que cette frustration, bon, c'est très souvent une question d'argent, hein, c'est quasiment tout le temps une question d'argent, finit par générer du contentieux. Et donc ça, tout ça se prévoit avant, dès le départ, avant de se mettre en association. Voilà, exactement. Donc il faut aussi faire attention à qui rédige ces actes-là. Donc il faut savoir que ça reste du juridique pur. Et donc attention aux experts diverses et variées. Et oui, alors, pas trop les experts comptables, ça dépend, certains peuvent être sur-spécialisés. Mais on voit fleurir ces derniers temps des espèces de sociétés de conseil qui vous font des passages en Célarl, etc. Mais en fait, s'ils sont dans le conseil, ça va. Si après, ils vont jusqu'à la mise en œuvre juridique, c'est compliqué parce qu'il y a une technique juridique particulière à utiliser sur des pactes d'associés, etc., pour prévoir. Je vous donne un exemple. Un conseiller en gestion de patrimoine avait fait un passage en Célarl d'une cardiologue et avait oublié qu'elle était mariée sous le régime de la communauté. D'accord ? Donc on fait le divorce de cette cardiologue. Et là, elle apprend que comme il n'y avait pas mis la bonne clause dans les statuts, elle allait donner la moitié de la valeur de son cabinet en fait, à son mari, qui avait choisi de ne pas travailler puisque sa femme gagnait très bien sa vie. Là, le défaut de conseil, ça lui a coûté quand même 200 000 euros. Après, je pense que si chaque expert reste dans son domaine de compétences, c'est aussi la meilleure manière pour les professionnels de santé d'être le mieux accompagné possible. Et donc, quand je finis ma carrière, alors là, si je suis jeune, ce n'est pas le cas, mais si je finis ma carrière de médecin, que j'ai ma holding, etc., comment je sors cet argent que j'ai gentiment gagné toute ma vie en soignant ? Alors, ce qu'il faut... D'abord, j'aurais peut-être sorti au fur et à mesure, où j'aurais investi, j'aurais complété ma rémunération avec des dividendes. Et puis, à la fin, on peut transformer toutes ces sociétés, puisque lorsque l'on a, par exemple, une Célarl et une holding... sous forme de SPFPL, donc les holdings de profession libérale, c'est ce nom barbare, société de participation financière de profession libérale. Donc ces SPFPL et ces CELA sont inscrites au tableau de l'ordre des médecins. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est quand même que quand on a une SPFPL, une CELARL et moi en individuel, je paye 3 cotisations au conseil de l'ordre. Bon, ça, faut le savoir. Comme c'est 3 inscriptions au tableau, je paye 3 cotisations au conseil de l'ordre. Mais quand je ne suis plus médecin, je ne peux plus avoir ces sociétés inscrites au Conseil de l'Ordre. Donc je vais les transformer en sociétés patrimoniales. Donc je garde en fait le bénéfice de l'argent que j'ai pu mettre de côté, des réserves, de la trésorerie que j'aurais fait travailler, puisque dans les holdings, on peut faire travailler la trésorerie, etc. Donc je garde ce bénéfice-là parce que cette tirelire et cette gestion patrimoniale va me permettre de conserver mon niveau de revenu à ma retraite. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on est à la retraite, on est loin des 200, 300 ou 400 000 euros de revenus par an qui sont versés par la CARMF. Donc, il faut anticiper et prévoir le maintien du niveau de vie à la retraite avec ces différentes sociétés. D'accord. Et donc, si on veut essayer de faire un petit bilan de tout ça, de se dire qu'est-ce que je conseille à... Je sors de mon clinica, j'étais docteur junior et je me lance. Et je fais quoi ? Alors, je viens vous voir parce qu'il faut que je regarde si je suis marié, si j'ai des enfants, si je m'installe en Corrèze ou à Paris. Mais si je veux un truc un peu global, ça n'existe pas. Alors, si, ça existe, mais il faut toujours s'appuyer sur les bons partenaires. Pour démarrer, il faut un avocat, un expert comptable, un banquier et un conseiller en gestion de patrimoine. Il faut les 4 parce que, en fait, les personnes qui vont aller dans un domaine qui n'est pas le leur, ils ne seront pas aussi experts que celui qui est dans son domaine de compétences. Donc, celui qui dit « Non, mais moi, je m'occupe de tout, je vais vous faire votre prévisionnel, je vais... » Il faut être bien entouré. Il peut prendre des prestataires, lui, par ailleurs. Oui. Comme un wedding planner. Alors, nous, on le fait. TIS 360, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle TIS 360. C'est-à-dire que chez nous, vous avez un cabinet d'avocats, un cabinet d'expertise comptable, un cabinet de courtier, en fait, de financement, puisqu'on fait la recherche de financement, et un cabinet d'ingénierie patrimoniale. C'est pour ça que ça s'appelle TIS 360. On l'a mis en place pour les professionnels de santé. Par contre, moi, je ne vais pas faire les prévisionnels. C'est Damien, mon associé expert comptable, qui va s'occuper de la partie expertise comptable. S'il faut à un moment placer les fonds, c'est Eugène qui va s'occuper, en fait, du placement des fonds. Mais on a voulu garder ce respect, en fait, de l'expertise de chaque intervenant
pour pouvoir en fait faire une prise en charge optimum. Mais en fait, les médecins peuvent très bien comprendre ça. Ils sont déjà dans des spécialités, des surspécialités. Oui. Mais bon, quand ils s'installent, ils peuvent se dire, ben juste, je vais faire comme avait fait mon père ou mon grand-père ou mon oncle, et je mets ma plaque sur le mur et roule, quoi. Oui, mais ils sont quand même beaucoup plus sensibilisés. Alors, les médias, comme les vôtres, servent à ça aussi. C'est-à-dire que éviter de faire les mêmes erreurs que le père ou le grand-père, de ne pas avoir suffisamment pris la mesure, en fait, de la nécessité. Moi, je parle des professionnels de santé, mais c'est souvent, je parle des chefs d'entreprise. Et les médecins oublient parfois qu'ils sont des chefs d'entreprise. Ce sont des chefs d'entreprise qui doivent gérer, ce sont des chefs d'entreprise qui sont employeurs, ce sont des chefs d'entreprise qui doivent investir. Donc aujourd'hui, il y a cette dimension de chef d'entreprise qui doit être prise à la mesure de l'enjeu, en fait, de demain. Eh bien, on reprendra cette discussion tout à l'heure à 16h avec Mathieu Durand pour l'installation point par point et avec d'autres experts pour discuter sur une table ronde sur l'installation, justement. Et merci beaucoup à vous. Merci Luc. Au revoir. Au revoir.